Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien plus une nouvelle vidéo, nouveau weekly vlog. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, donc pour contextualiser, nous sommes le lundi 23 septembre. Donc c'est ma semaine d'arrêt, deuxième semaine d'arrêt post-opération. Donc je vous ai fait une vidéo sur mon opération, un weekly vlog post-opération. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et là du coup c'est une deuxième vidéo, donc on va pas reparler encore de l'opération. Je pense que c'est bon. J'ai été assez abordée, donc j'ai encore mal à la gorge. Hein. Enfin je pense que ça s'entend, je sais pas. Enfin en tout cas moi je l'entends. Enfin j'entends. J'ai mes oreilles bouchées. Du coup, voilà, j'ai encore du mal à manger, à déglutir. J'arrive maintenant à manger des tartines, donc je suis très contente. Hier soir, j'étais chez ma sœur, j'ai pu manger un vrai repas. Elle m'a fait du saumon en papillote. Je mange très peu de poisson, vraiment très très peu. Et je n'aime pas le saumon en papillote de base en plus, mais il fallait que je mange. J'avais trop faim. Donc elle m'a fait l'anticorps à coco, elle m'a fait du saumon. Ensuite, elle a pris des desserts à la boulangerie, éclairs au chocolat, des mousses, etc. Donc j'étais bien blindée hier, j'étais vraiment très contente. Au moins j'ai pu dormir sans que mon ventre ait faim. Donc je vais prendre mon petit déjeuner. Je peux pas prendre encore de café parce que c'est trop chaud. Et je peux pas prendre de jus. Je peux pas manger de fruits assez acides. Un peu chiant parce que je mange que des fruits de base. Petit déjeuner et puis bah, je vais vous annoncer un petit peu le programme de la semaine. Donc on se retrouve dans la salle de bain. Puisque aujourd'hui le programme c'est faire le ménage. Concernant l'état de l'appartement, franchement ça va, il est propre. Puisque j'ai pas fait grand chose la semaine dernière, donc j'ai pas vraiment sali mon appart. J'ai passé aussi, je vous aide plusieurs fois, donc assez propre. Mais ce que j'aimerais faire c'est plus récurer. Donc faire les éviers, laisser tremper. Nettoyer sous la baignoire. La baignoire faut vraiment la laisser tremper. Surtout les petits trucs, là, les petits joints, il faut que je laisse tremper. Et ma soeur m'a fait une solution miracle pour le calcaire que j'ai envie de tester sur la paroi de douche. Donc on va nettoyer tout ça parce que c'est vrai qu'ici il y a beaucoup de calcaire. C'est vraiment pas terrible. Donc ce que je vais faire en priorité, donc c'est les toilettes, l'évier, enfin quasiment toute la salle de bain. La salle de bain, il y a beaucoup de calcaire qui s'est incrusté. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça, la baignoire et l'évier dans la cuisine. Et après le reste, tout est quasiment propre, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais commencer par vider tout ce qu'il y a sur les côtés de la baignoire. Je sais pas si... Ouais, vous voyez quand même. Enfin, regardez-moi comment c'est hyper dégueulasse. Enfin, il y en a vraiment partout. La salle de bain, elle est vraiment dans un état pas possible. Genre, je sais pas si vous voyez les traces là-bas, là. C'est une catastrophe. Donc, on va nettoyer tout ça avec le produit magique de ma sœur, en espérant que ça fonctionne. Mais aussi, je vais mettre le petit joint, là, qui est vraiment dégueulasse. Enfin, je sais pas comment vous faites pour nettoyer... Oula, il y a de l'eau. Je sais pas comment vous faites pour nettoyer ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève. Voilà. Et après je vais le laisser tremper en espérant que ça fonctionne. Donc je bouche la baignoire hein, si j'arrive. Je sais pas si vous voyez mais j'ai démonté du coup le truc, donc déjà j'ai pu le nettoyer. Mais surtout j'arrive pas du tout à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Que ça c'est un peu embêtant si je peux pas prendre de bain. Ça, je sais pas, il y a plus rien qui bloque. Donc là vraiment je suis dans l'incompréhension. J'ai mis à tremper le petit joint et ça je le ferai je pense à la main avec le produit de ma soeur. Donc on va tester ça. Alors, je vous ai mis vraiment dans la douche. On va tester ça, je sens que j'en ai partout par terre. Elle m'a dit de prendre une brosse et ensuite bah, de frotter. Faut laisser un petit peu agir et après bah, c'est bon. Bon, je sais pas si vous verrez bien. Donc j'ai laissé un petit peu agir. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Et ça a bien nettoyé. Les traces qu'il y a, c'est les traces qui sont de l'autre côté. On sent plus, vous savez, le calcaire. Putain, mais ça marche bien. Rince sous la douche normale, ça peut être plutôt pas mal. Je sais pas si vous verrez une différence. Attendez. Ensuite on va s'attaquer à l'évier, parce que là ça fait quand même un son que j'ai pas fait l'évier. Et je peux vous dire qu'il y en a de la saleté. Hein. Voilà, c'est beaucoup beaucoup mieux. J'ai mis aussi à tremper les petits trucs dans la salle de bain. Comme ça, au moins, tout le calcaire pourra partir. Bon, je sais pas si vous verrez, mais du coup, j'ai tout rincé, etc. Et j'ai du coup remis un petit peu de vinaigre parce qu'il y avait encore un tout petit peu de traces, mais vraiment léger. Mais sinon, le reste, enfin, tout est hyper clean, tout est très propre. Donc, je suis très contente. Et là, du coup, je vais m'attaquer à ça. Ça, c'est les trucs d'évier, etc. Enfin, les trucs pour boucher. Donc, je vais nettoyer un petit coup, je vais bien brosser. Yeah.
crois que je viens de faire une bêtise. Il y avait un filtre qui allait avec ça. Et du coup, je crois qu'il est passé dedans. Oh, mais quelle bourse que je suis. Vraiment, je fais que des conneries. À moins que... Oh, putain, il est là. Oh, comment je vais faire pour le choper? Oh là, on a vraiment la chatte que j'ai, quoi. Oh, putain, je l'ai. Oh. Non, c'est pas possible d'avoir une chatte pareille. Quand... Sauvetage réussi. Incroyable à quel point ça brille, enfin vraiment ça a hyper bien désincrusté. Avec la pâte, vous savez, d'argile, à chaque fois, genre il y a toujours des petits résidus et toujours des petites traces blanches. Et là il n'y a aucune trace, enfin c'est... Je sais pas si vous verrez la différence, enfin si je pense quand même. C'est assez insane, franchement je suis très contente de pouvoir tout installer. Mais regardez ça. Et ben c'est beaucoup beaucoup mieux, tout est clean, tout est propre. Par contre le problème de la baignoire, si vous avez des idées de pourquoi ça marche pas, n'hésitez pas à me le dire, sachant que j'ai rien vu en dessous du mécanisme, donc il n'y a rien qui bloque, je sais pas trop. Je vais aussi aller vider la poubelle jaune parce qu'elle est remplie à ras-bord. Non mais attendez, je suis en train de passer l'aspirateur dans la chambre et là je vois quoi. C'est la première fois qu'il va dans la roche, qu'il se pose. Genre d'habitude, Prince ne veut pas du tout qu'il vienne dans l'arbre à chat. Et là, il est au calme. Tout est propre. J'ai passé un coup d'aspirateur dans tout l'appartement. Et puis, je passerai, je vous aide, je pense, en milieu de semaine. J'ai envie d'aller me laver, mais j'ai pas envie de niquer tout mon travail. Et me laver les cheveux, etc. Parce que c'est plus trop possible. Ou alors me faire ce soir une petite skincare, je pense. Ensuite, j'ai quelque chose que je dois faire. C'est trier toutes mes ordonnances, mes papiers, mes factures. Parce que j'en ai quand même vraiment beaucoup. Et ça traîne. Et du coup, ça m'énerve. Donc j'ai énormément de factures. De choses que je sais pas si je dois garder ou pas. Mais du coup, j'ai ça. Ça vient de chez Action. Du coup, c'est là où je trie tout. Donc il y a plein de choses que je devrais jeter. Et la santé, genre j'en ai trop... La santé, je pense qu'il serait temps de changer. Mais je pense qu'on va commencer par la santé parce que j'ai trop de choses en santé. Et je pense que les ordonnances, ça sert plus à rien de les garder. Je retrouve tous les papiers que j'avais quand j'avais des problèmes au niveau des poumons. Genre toutes mes radios, mes arrêts de travail, mes médicaments, des trucs à rallonge. J'ai tout ça. Tout ça à jeter. Et du coup, j'ai reçu un colis. Donc c'est un colis qui vient de chez Mango, donc je l'ai pris sur The Braderie. Il y avait des ventes privées vraiment intéressantes, donc j'en ai profité pour prendre deux pantalons pour mon copain. J'ai toujours mon code de parrainage, c'est moins 15€ de 50€ avec Elisa Bertheoff, je crois. Sur le lien est en barre d'information. Moi la semaine dernière j'ai fait une razzia sur The Braderie, j'ai tellement acheté. Le carton est vraiment dans un sale état. Hein. Je le voyais pas du tout comme ça, je pense pas que mon copain va aimer. Alors c'est un pantalon. Sur le site il était pas du tout comme ça. Il va pas du tout aimer la matière. C'est une matière un peu carré. Il va pas aimer. Bah écoutez, en plus c'est hyper court. Écoutez, on verra s'il aime, mais je pense que ça sera un retour. Par contre l'autre il a l'air super beau. Enfin, et l'autre il est vraiment beau. Oh là là. Ça c'est totalement le style de mon copain. Et au moins c'est beaucoup plus long. Donc il est comme ceci. La couleur elle est vraiment jolie. Un peu quadrillée et tout. Et la matière est vraiment sympa. Celui-là est vraiment très bien. Non, bah c'est moi qui dis des conneries parce que sur le site c'est exactement ce qui est attendu. Alors c'était pas celui-là que j'avais vu. Celui-là, il coûtait 27,90€ au lieu de 50€. Et celui-là, 32,90€ au lieu de 60€. Donc vraiment plutôt pas mal. Il est 5h moins le quart donc je vais aller faire mes petits soins. Je vais me faire un gommage et un masque purifiant. Alors pour le gommage, j'utilise Dermalogica qui est vraiment très très bien. C'est de la poudre enzymatique. Je vous en parle très régulièrement donc je continue tout le temps. Ma petite skincare routine qui fonctionne plutôt bien je trouve. Et ça gomme vraiment très 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 bien la peau, c'est un truc de ouf. Je vais enfin terminer je pense en masque. Je vous en parle tellement, genre j'ai l'impression que j'ai que ça, mais en même temps j'aimerais bien finir mes masques. Enfin j'aime pas entamer des masques comme ça. Je pense que je vais terminer aujourd'hui. Oh, il était si bien. Il purifie vraiment bien et ça me dure un an à chaque fois. Mais du coup je sais pas quel autre masque je vais tester. Parce que là du coup comme je l'ai terminé, déjà cet après-midi je me suis posée dans le canapé, j'ai regardé maison à vendre et recherche appartement maison, donc 3 heures dans le canapé. Très productive hein. Et j'ai mis un masque, enfin un masque, j'ai mis ma crème Eucérin, vous savez, sur les pieds parce que mes pieds sont très secs. Donc si vous avez les pieds secs, mettez ce baume là et vous restez dans votre canapé pendant 3 heures. Bon écoutez, on aura terminé ce petit...
Ce petit masque, ça y est. Donc je vais aller me poser dans le canapé le temps que ça sèche et puis après on va aller se laver. Tu fais du coup une petite soupe, ça change de ce que je buvais la semaine dernière, mais une petite soupe, je sais pas comment on appelle ça, un faux. Non, c'est pas un faux, c'est avec des pâtes du coup. Et c'est plutôt pas mal, ça coûte vraiment pas très cher, j'arrêtais pas de m'en faire à Athènes, c'était tellement bon. Et puis je le fais à la casserole et je cuis à l'intérieur, faut juste mettre l'eau bouillante dedans comme ça et ça passe. Pour ce matin je vais essayer de manger du coup mon petit muesli qui vient de chez My Muesli. C'est le choco brownie, il est vraiment trop bon. J'ai aussi celui au caramel beurre salé, incroyable. Donc je peux vous les conseiller, ils sont vraiment super bons et c'est hyper consistant. Là j'ai toujours mon code promo pour vous, des 15€ d'achat vous avez 6 mini muesli offerts. Donc n'hésitez pas à regarder en barre d'informations, le code et le lien sont en barre d'informations pour pouvoir découvrir un petit peu plus la marque. Je vous reprends du coup, nous sommes le lendemain. Aujourd'hui le programme c'est faire un petit tri des vêtements. Parce qu'en fait j'ai des vêtements sous vide, c'est des vêtements d'hiver, mais je sais pas si je fais l'échange aujourd'hui ou pas, sachant que là il commence vraiment à faire froid, donc je vais pas remettre mes petites jupes etc. Donc je pense qu'il faut que je me motive à faire le switch aujourd'hui. Je pense qu'on va faire ça, mais au moins enlever tout ce que je ne mets plus, que je ne vais pas remettre parce que soit c'est trop petit, soit ça me plaît plus. Il y aura sûrement des ventes Vinted, donc mon Vinted c'est Point Bapi, c'est en barre d'infos à chaque fois, n'hésitez pas à les regarder. Ce matin j'ai beaucoup bossé sur l'ordinateur parce que je devais faire plein de paperasses administratives de merde là, donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, ça m'a pris 4 heures. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à la gorge aujourd'hui, donc si je parle un petit peu bizarrement c'est normal. Voilà, donc là c'est tout ce qui est veste que je porte assez souvent, genre mes petits gilets etc. Donc je vais trier ce que je garde, ce que je ne garde pas, parce que j'ai pas mal de choses. Genre par exemple 3 vestes en jean, mais elles sont pas pareilles, donc est-ce qu'il faut que je fasse un tri ou pas, enfin voilà. Donc c'est parti, on va trier tout ça. J'ai quand même enlevé, je pense, une bonne dizaine de gilets, etc. Donc quand même, il y a de la place maintenant. Ici c'est tous mes manteaux. Au-dessus c'est les valises. Mes manteaux j'avais déjà trié. Il y en a pas un seul que je ne mets pas. Genre vraiment je les mets tous. Donc là il y a les manteaux de mon copain. Je crois que c'est un... ça c'est le mien. Ça c'est mes manteaux que je mets. Ouais je les mets tout le temps. À droite là il y a tous mes robes pull. Parce que ça je l'ai mis en vente sur Vinted depuis pas mal de temps. C'est un truc 1, 2, 3. Genre c'est une parka, elle est trop belle. Mais elle est trop petite, elle m'avait coûté 200 balles. Elle est toujours en vente sur mon Vinted. Mais elle est vraiment trop belle. Que j'essaye de mettre du coup les affaires d'été ici là-haut. Comme ça fera de la place. Là il y a toutes mes grosses écharpes en fait au-dessus. Cette pièce je l'aime pas du tout parce qu'il n'y a jamais de lumière. Genre faut toujours allumer la lumière. Il est midi et demi, il faut que j'allume la lumière. Alors là du coup c'est toute la partie de mon copain ici. Donc je ne trie pas. Ici c'est ma partie. Donc faut trier. J'avais fait une énorme vente Vinted et après tout ce qui n'était pas parti, j'avais donné à Emmaüs et je crois que j'avais donné 6 sacs cabas de vêtements. Donc c'était assez énorme. J'avais donné tout ce qui me restait en fait depuis des années, depuis le collège en fait, j'avais tout entassé. Donc là c'est le cas dans ce que je vois dans mes vêtements. Tout ça en fait je le mets. Ça c'est mes chemises pour aller travailler. Ça c'est mes petits pulls aussi pour aller travailler. Donc en fait tout ça je mets. Mais en fait c'est tellement entassé, je sais pas. Genre là par exemple j'avais déjà commencé à mettre des jupes. C'est mes jupes préférées en plus. Là ici pour que je puisse les prendre en photo pour Vinted. C'est un peu compliqué à dos quoi. Mais tout ce qu'il y avait là-dedans, donc toutes mes robes d'été, mes combi shorts, etc. Là-dedans, donc dans le sac qui s'aspire là. Et j'ai vidé du coup ce sac avec où il y avait tous mes pulls juste là. Là c'est vide du coup. J'ai enlevé mes petites blouses d'été pour le travail, donc je vais les enlever. Et je vais essayer d'enlever 2-3 petits t-shirts qui encombrent un peu trop le tiroir. Je suis assez contente parce que j'ai pu mettre tous mes sacs, vous savez, d'emballage de mes sacs de Lancel. Donc j'avais 2 sacs, donc je les ai mis en haut, je suis très contente. J'ai mis le truc à pique-nique juste en haut. J'ai pu mettre aussi quelques vêtements d'été ici. Donc comme ça rentre pile poil. J'ai mis aussi des sacs de couchage, donc il y en avait 2, je les ai mis tout au fond, donc c'est bon. Du coup j'ai libéré cette place là, j'ai libéré ici pour que... Enfin je vais mieux ranger les affaires de mon copain, mais j'ai tout foutu en boule comme ça. De toute façon il faudrait qu'il fasse un petit tri, mais il a que ça en vêtements. Donc après je sais pas si tous les hommes sont comme ça. Il a très peu de vêtements. Donc bon, il va falloir qu'il fasse un petit tri, etc.
et il y a une petite tache là qui se tache tout le temps. Genre vraiment c'est pas possible. Genre vous voyez les vieux t-shirts comme ça, enfin, je pense qu'il va devoir faire un petit tri. En fait j'avais mes robes d'été qui étaient juste derrière tous ces vêtements, donc j'avais pas vu. Je les ai cherchées toute l'été. Genre tout l'été, je me suis dit mais elles sont où mes robes? Enfin vraiment elles sont où mes robes longues et tout, j'ai trouvé pas. Donc bah j'ai tourné avec mes robes que j'avais achetées en friperie. Mais du coup je les ai retrouvées. Donc je suis un peu dégoûtée. Au moins je sais que maintenant elles sont là, ici. Et là c'est tous mes autres vêtements d'été, donc mes robes, mes t-shirts, mes. Enfin tout. Que je vais mettre du coup, puisque j'ai réussi à faire de la place. Juste là. Donc là j'ai mis tous les sacs à dos. Là c'est des bacs en fait, je vais pas les jeter ou les donner parce que je pense qu'à un moment donné j'en aurai besoin. Sûrement quand je vais déménager que j'aurai une cave. Peut-être que ça serait plutôt pas mal même pour des rangements, enfin ça coûte quand même assez cher. Mes sacs à dos, derrière il y a tout ce qui est les draps de plage que j'ai pas utilisé cette année. J'espère les utiliser l'année prochaine. Et du coup ça c'est un sac de voyage et là devant je mettrai les affaires d'été. Et du coup maintenant il reste plus qu'à mettre tout ça sur cintre. Je vais alterner cintre et aussi bac. Comme ça, j'en ai un. Donc je vais mettre, je pense, mes gros pulls ici. Genre vraiment des trucs qui prennent beaucoup de place. J'essaie de mettre des trucs dans les bacs et pas mettre tout sur centre parce que sinon c'est pas possible. J'ai réussi à mettre tous mes pulls. Alors du coup là j'ai mis tous les cols roulés, les petits pulls fins que je mets dans mes pantalons de costume. Là c'est mes pulls beaucoup plus épais. J'adore celui-là, il est vraiment trop beau. Et en fait j'étais en train de me dire mais waouh Lisa, t'as réussi à tout rentrer. Mais il manque mes chemises. Je sais pas comment je vais faire. Ça va être encore tout serré. Ben tout est rentré. C'est un peu serré, mais bon, au moins tout est là, tout est à disposition. J'ai mis mes petites blouses ici au cas où, si j'en ai besoin. Donc j'aurai tout ça à prendre en photo demain, avec les petites vestes qui sont aussi dans l'entrée. Il y aura pas mal de taf, et bah, si ça part pas, bah, je donnerai à Emmaüs comme la dernière fois. Bon, là je suis en train de tenter quelque chose. J'avais des courgettes qui étaient en train de pourrir, j'avais des tomates aussi qui étaient totalement moisies. Donc là je suis en train de les faire chauffer. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une tarte. Donc j'ai décongelé ma petite pâte. Elle fait un peu la gueule, hein. J'espère que ça sera bon. Ça va être crème, courgette, tomate et feta. Je suis nulle en cuisine, je préfère le dire. Bon, du coup, on va mettre de la crème, si j'arrive à l'ouvrir. À tout moment, ça, c'est super bon. Hein. Donc j'en garde un petit peu pour mettre sur le dessus. Ça sera peut-être bon. Bon, du coup, j'ai rajouté du sel, du poivre et ça a fait une petite sauce. Donc j'espère qu'il y en aura assez. J'ai pas fait les pics dans la pâte. Alors les tomates par contre je les ai découpées en gros morceaux parce que je pensais les manger comme ça. Donc du coup il y avait pas mal de gros morceaux. D'ailleurs ça va être bon. Oh, je vais même mettre du basilic citron, tiens, parce que j'en ai là derrière moi. Mettre quelques feuilles par-ci, quelques feuilles par-là. Je vais envoyer la photo à mon copain, il va me dire mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, petite photo pour Instagram, et on est au four. Non mais regardez, elle a pas l'air trop bonne. Genre vraiment, ça a l'air trop bon. Ça fait au moins 40 minutes qu'il est là. Enfin, que la tarte est en train de cuire. En fait, elle est un peu liquide vu que bah, c'était de la crème liquide et qu'il n'y avait pas d'œufs. J'espère que la pâte elle est bonne. Enfin, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Bon, alors forcément, comme j'ai pas mis d'œufs, bah du coup la sauce... enfin, c'est une sauce, quoi. Mais je pense qu'il faudra que j'ajoute des œufs la prochaine fois pour que ça soit vraiment bien. Donc je vais tester. Et puis, bah écoutez, si vraiment c'est bon, je ferai, mais avec un œuf cette fois-ci. Pour que ça puisse vraiment bien tenir correctement. Et ben, c'était vraiment trop bon. Je me suis tâchée un peu partout parce que j'ai failli tomber avec mon plat. C'était extrêmement drôle. Il est 16h45. J'ai envie de me faire un petit café frappé. Parce que je peux toujours pas boire de boisson chaude, mais j'ai envie de café, genre ça fait longtemps que je me suis pas fait un. Donc pour les cafés latte froids, moi j'utilise des glaçons de café. Donc là je vous conseille pas vraiment ce type de bac à glaçons parce que c'est assez gros. J'ai acheté du coup des bacs à glaçons normaux qu'on puisse démouler facilement parce que là c'est un peu difficile. Mais du coup tout ça là c'est un café, enfin c'est une capsule de café que je vais mettre du coup dans mon petit verre. Je viens de me couper le pied. Mais je sais même pas comment. Petite goutte de sang, ça me dégoûte. Je vais tomber dans les pommes dans 5 secondes. Donc il faut vite que je fasse quelque chose. Non mais vraiment, faudra m'expliquer. Hein. Putain, mais j'ai foutu du sang partout. Mystère et boule de gomme. Hein. Voilà. Et ça pisse le sang. Bon, attendez, il faut que j'aille chercher un pansement. Parce que là, j'en fous partout. Donc ensuite, je mets un sucre et une capsule, enfin un café dedans. En plus du café déjà dedans. Je mélange bien. Comme ça, le glaçon il fond en même temps et le sucre aussi. J'en mets pas jusqu'en haut parce que sinon je finirai pas. Mais c'est plutôt pas mal, c'est assez rafraîchissant en plus. Et donc n'hésitez pas à utiliser des glaçons de café. C'est une astuce que j'avais partagée, je crois, sur Instagram ou
je sais plus où. Mais peut-être sur YouTube, hein. Et vous avez vraiment le bon goût de café sans avoir le café à l'eau, la coupée à l'eau dégueulasse. Voilà pour ça, je vais aller me poser devant la télé. Je vais vous reprendre du coup demain, parce que là je vais me reposer parce que je commence vraiment à avoir mal à la gorge. Donc je vais prendre aussi de la codéine un petit peu. Et on se retrouve demain. C'est sûr. Il bouge à la caméra. Bon, nous sommes le lendemain du coup. J'ai passé une nuit chaotique avec les deux là, vraiment. Je peux plus. Ils ont pas arrêté cette nuit. Entre Eros et Prince, ils se battent dans l'arbre à chat au tout dernier étage. Là. Moi j'avais très peur que Eros il passe par-dessus, qu'il se fracture le crâne. J'ai eu des frayeurs beaucoup de fois, du coup à chaque fois je les séparais. Parce que Prince, c'est son arbre à chat, mais Eros il aime bien. Après, je crois à 6h, il y a Prince qui vient gratter sur le lit. Et quand il gratte, ça veut dire qu'il a envie de chier. Et je me dis à tout moment, il va chier dans mon lit. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Donc je me lève vraiment en panique. Genre je me lève et tout comme ça. Je vais dans les chiottes et je vois que ça pue sa mère. Genre Eros il avait lâché un truc mais ça puait. Donc je comprends Prince qui veut pas aller chier juste après quoi. Et encore Eros lui il enterre ses crottes. Prince ne les enterre pas. Donc je nettoie sa litière, j'enlève le caca etc. Je vais chercher Prince carrément et je le fous dans la litière. Prince chie devant moi, très content. Ça pue aussi donc je renettoie. Je revais me coucher sauf que bah c'était la folie hein. Voilà les animaux qui étaient en folie. Je venais de me lever, ça y est machin etc. Et là ma machine elle commence à s'activer. J'avais mal réglé la machine à laver. Genre je voulais qu'elle se termine autour de 11h, donc elle démarre à 9h, et pas qu'elle démarre à 6h quoi. Et du coup elle a démarré à 6h, donc j'ai entendu la machine, donc c'était un peu chiant. Donc je suis un petit peu blanche ce matin, comme vous pouvez le voir, j'ai une sale gueule, parce que j'ai pas très bien dormi. Hier soir j'ai lu mon livre de Virginie Grimaldi dans le lit, avec en fond sur la télé un feu de cheminée, parce qu'il me faut vraiment un truc pour être dans une ambiance. Et j'ai lu 100 pages. Faut savoir que c'est énorme 100 pages, franchement je lis très très peu, je suis dyslexique en plus. Donc j'ai du mal à lire. Mais c'est pas pour autant que j'ai mieux dormi. Genre mon copain il m'a dit ah, ça va t'as mieux dormi vu que t'as lu un livre et tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Hein. Bref je vais, je sais pas si vous voyez j'ai du linge par terre. Je vais mettre mon linge du coup à sécher. Je vais me préparer et aujourd'hui il fait pas très très beau. Et j'aimerais aller au marché acheter des fruits et légumes comme un minimum. J'ai appelé l'hôpital parce que il me faut une facture. Pour pouvoir être remboursée, genre j'ai payé 150€ la dernière fois aux factures pour être remboursée, donc je l'avais pas, donc j'ai appelé ce matin, je pensais y aller directement mais j'ai appelé, on m'a répondu, je sais pas si vous avez suivi dans le dernier vlog, on m'a jamais répondu, genre vraiment j'ai envoyé des mails, j'ai tout fait, on m'a jamais répondu. La dame m'a dit que ça, on m'enverrait la facture sous 3 semaines, 1 mois par voie postale, donc il y aura la facture des 24€, la facture de ceci, cela, je fais mais quelle facture? Moi j'ai juste payé 150€, enfin juste voilà. Je dois payer en plus. Et m'a dit bah normalement faut payer une participation en plus bah, pour vu que c'est privé, machin, etc. Je me suis dit oh putain je vais raquer. Je vais raquer comme jamais. J'ai pas envie de recevoir les factures du coup. Là vraiment. Mais bon, j'espère qu'il y aura pas de problème sur la facturation, sur les tout ça, parce que sinon ça va vite me saouler encore cette histoire. Donc, on croise les doigts, on essaye d'être positif, on espère qu'il y aura pas d'autres choses à régler. Bon, ça y est, je suis prête. Je vais aller au marché m'acheter enfin des fruits et légumes. Ça fait quand même pas mal de temps. Donc. C'est parti. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je regarde toujours les magasins les dates courtes pour pouvoir acheter tout ce qui est un peu gaspillé. Parce que sinon, ça se part à la poubelle et ça m'énerve du plus haut point. Donc à chaque fois, je regarde s'il y a des petits trucs que je pourrais garder, même congelés. Donc n'hésitez pas à regarder dans les magasins ce genre de choses. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté au marché. J'ai repris du coup des champignons. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu au marché, donc je les ai repris, c'était 1,99€ au kilo. Ensuite j'ai pris des poires. Donc j'ai pris des poires comme ceci et des poires comme cela. C'était 1,50€ le kilo. J'ai pris ensuite des patates, alors il n'y avait pas la variété, donc je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est pour faire des gratins, donc j'espère que ça, ça sera bon. Des bananes, c'était 1,30€ le kilo. Ensuite j'ai pris pas mal de nectarines, vu que c'est les dernières de la saison, donc des nectarines. Et des prunes rouges, c'était 1,50€ aussi le kilo. Et j'ai pris des pommes comme ceci, des pommes golden, c'était 1,50€ aussi le kilo. Et j'aimerais bien faire, vous savez, des apple tarts façon Amsterdam, donc avec de la cannelle et tout, donc j'ai pris ça. Donc j'en ai pour 13€ en tout. Ensuite, je suis passée au Intermarché qui était juste en face, j'ai repris des œufs parce qu'il faut que je fasse des pancakes pour mon copain, j'aimerais bien lui faire des pancakes et du coup il me fallait des œufs. J'ai repris aussi de la farine parce que j'aimerais bien lui faire aussi un gratin avec de la béchamel, donc il me fallait de la farine. Et du coup j'ai pris des allumettes comme ceci qui étaient à -50€ et des aiguillettes de poulet rôti. Donc ça j'aimerais bien le mettre dans le gratin
J'ai envie de faire un gratin chou-fleur et ailettes de poulet béchamel. Je pense que ça peut lui plaire, donc voilà, j'ai pris ça. Comme ça en date courte, bah, c'est toujours moins cher. Donc n'hésitez pas à regarder dans les magasins et trucs comme ça. Enfin vraiment, ça évite de gaspiller. Moi c'est quelque chose qui m'énerve vraiment. Le gaspillage alimentaire, c'est... je ne comprends pas. En plus j'ai vu un reportage de Hugo Clément sur France 5 sur le gaspillage alimentaire. Je vous invite grandement à aller vous voir. Ça dure 50 minutes et c'est vraiment hyper intéressant. Et vraiment, c'est assez choquant tout ce qu'on voit, enfin tout ce qu'on ne voit pas plutôt. N'hésitez pas, voilà, à sauver ces petits aliments dans les magasins, ça peut être toujours bien. Puis de toute façon vous pouvez congeler au pire. Ah et aussi j'ai pris 3 avocats, c'est 1€ l'avocat et franchement ils sont super bons. Ça n'a rien à voir avec ceux qu'on trouve au supermarché. Ils mûrissent très bien, ils sont très bons. J'ai jamais eu un seul avocat pourri chez moi. Pourtant quand tu les achètes en filet, il y en a toujours un ou deux qui sont morts quoi au bout de 2 secondes. Mais ceux-là pas du tout. De base je devais faire aujourd'hui les ventes Vinted, donc prendre en photo ce qu'il y a vraiment aucune lumière dans l'appartement, c'est pas possible. Du coup ce que j'ai envie de faire c'est d'aller faire des fripes. Il y en a dans Paris que j'ai vu, des adresses que je ne connaissais pas, j'ai envie d'aller faire des fripes. Après il fait pas très beau aujourd'hui, donc à un moment donné je vais me prendre la flotte, donc je vais me prendre un parapluie avec moi. Mais du coup on va aller faire les petites fripes, ça va me faire du bien. J'ai besoin de quelques jupes, pas de pull parce que je pense que j'en ai assez, mais des jupes et des shorts style costume. Ah, va falloir trouver ça si je trouve. Et puis bah écoutez, let's go. Donc là il y a le guérisol, il y en a d'autres, des petites fripes juste là. Bon, là il pleut dans Paris, c'est un peu désagréable, mais bon c'est comme ça. Je viens d'aller dans une friperie, ça s'appelle Le Coffre. Alors c'est pas trop une friperie je trouve, les prix sont assez chers. Mais je suis rentrée, il y avait une chemise fraise et une chemise citron magnifique. C'était à 40 balles, elle c'est vraiment magnifique. Et il y avait des pulls citron, pulls fraise vraiment avec des fleurs, enfin, magnifique aussi. Ils étaient à 70 balles, donc je suis vite ressortie. Bon, je reviens, je suis un peu trempée, il a plu, comme je vous avais montré, il a plu. Du coup, je reviens des friperies. Alors, je devais acheter des jupes et des shorts, finalement, je suis repartie qu'avec des pulls. Alors que de base, j'en ai pas besoin, enfin, j'ai fait mon tri hier, je suis un peu dégoûtée, mais ils étaient vraiment trop beaux les pulls, donc j'en ai profité, donc je vous montre ça maintenant. Je devrais faire un haul sur TikTok donc, et Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous montre en première mes petits achats, etc. Et du coup là, je pense que j'aurais fait un petit TikTok sur la friperie que j'ai vue et aussi bah, les achats. Alors, je suis allée du coup à Bis Solidaire, je ne sais absolument pas. Et franchement, très belle découverte, j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses. Donc le premier pull, c'est de la marque Le Lauréat, donc c'est Made in France. Ça m'a coûté 15€, c'est un pull qui est comme ça. Comme ceci, il est vraiment trop trop beau. Enfin, incroyable. Vraiment, je trouve ça magnifique. Et le problème de ces pulls, enfin de tous les pulls que j'ai pris quasiment, c'est qu'ils grattent. Donc je sais pas si vous avez une astuce pour ne pas qu'ils grattent. Et je vais blinder l'assouplissant, je pense, quand je vais les laver. Franchement, la boutique était magnifique. Le pull est magnifique. Donc je suis très contente pour 15€, en plus c'est de la laine. J'ai pris une jupe assis, mais c'est pas une jupe d'hiver, c'est un peu chiant. C'est une jupe d'été, je sais pas si vous verrez bien avec la luminosité. Mais les petites fleurs, c'est assez souple. Et j'aime bien les jupes longues comme ça avec un petit haut blanc. Donc voilà, c'est assez long, assez joli, c'est une belle matière. C'est de la marque Un Jour Ailleurs. Faut vraiment essayer à chaque fois dans les friperies je trouve, parce que sinon j'ai essayé plein de vestes à taille 38, taille 40. Des fois c'était trop petit, des fois c'était 15 fois trop grand, enfin vraiment. Ensuite j'ai trouvé ce pull, j'ai vraiment hésité, mais j'en trouverai nulle part ailleurs. Ça m'a coûté 12€ et c'est du coup un pull orange. Orange et rose avec des petites fleurs brodées dessus. Il est extrêmement beau, extrêmement long. Et je me dis, avec mon petit jean brut là, comme ça, bleu, ça peut être super joli. Et vraiment, j'adore. Je trouve ça magnifique. Donc 12€, j'aime trop. C'est trop les couleurs d'automne en plus. Donc, Et ensuite, ce qui m'a coûté le plus cher, je crois, mais qui était hyper lourd en plus, c'est... Ah ben non, c'était 12€. J'ai cru que c'était 18. Bah écoutez, très bonne surprise. 12€, c'était vraiment pas très cher. Pull gilet en laine vert. Il est magnifique.
Il est magnifique, vraiment la qualité est incroyable. Il gratte un peu, donc là aussi je pense que je vais blinder d'assouplissant, je sais pas. Mais je connais pas la taille, enfin, je connais pas la marque non plus. Il est super, franchement je suis hyper contente de la qualité du bordel, franchement trop contente. Trop bien, je vais pouvoir laver tout ça, oh là là j'ai trop hâte. Donc 54€, franchement trop bien. C'est la jupe en fait qui m'a coûté le plus cher, 15€. Ensuite j'ai trouvé à Guérisol, il y avait beaucoup de choses à Guérisol, notamment des pulls et tout. Enfin vraiment il y avait des pulls à 3€, ça valait vraiment le coup, mais j'en ai déjà, donc je me suis vraiment dit non Lisa tu ne peux pas. Donc je regardais vraiment encore une fois des pantalons etc, il n'y avait pas ce qu'il me fallait. Ou alors quand tu trouvais des pépites, genre le vêtement était abîmé. Genre il était soit hyper taché, soit déchiré etc, soit brûlé. En effet, j'ai trouvé ce super gilet, il est magnifique. Il est super grand, vraiment trop beau. J'ai adoré, mais le problème c'est que je sais pas si vous verrez, je pense que oui. Il est brûlé ici, donc il est quand même pas mal brûlé, hein. On peut voir l'immense trou. Donc un peu chiant. Ça coûtait 3€, donc je me suis dit que j'allais essayer de le ravoir. Soit de mettre un truc par-dessus, soit le nettoyer à fond et le recoudre. Je sais pas si je vais y arriver parce que je n'ai jamais cousu. Je suis nulle en couture, je suis vraiment nulle. Mais si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me dire comment on fait parce que je sais pas, aucune idée. Et c'est de la marque Miss Tricot. Il est vraiment incroyable. Franchement, alors je pense pas que je pourrais mettre ça au boulot. Quoique le pull violet, peut-être que si, le gilet vert aussi. Le reste, non. Mais franchement, ça c'est magnifique. En plus, c'est trop mes couleurs et tout, j'aime trop. On va essayer de le ravoir là. On va essayer de mettre du vinaigre. J'ai vu du vinaigre blanc, ça passait, du citron. On va essayer de le détacher et de le recoudre parce que c'est un... y a quand même un sacré trou quand même. Donc voilà pour mes achats chez Guérisol. 3€, vraiment pas très cher. Il y a vraiment beaucoup de choses. Des fois ça vaut le coup, des fois ça vaut pas le coup. Il y avait vraiment beaucoup de chemises. J'ai failli encore craquer, mais j'ai 15 fois les mêmes chemises donc il faut que j'arrête. Mais je suis allée au Guérisol juste en face de Bis Solidaire. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je suis allée à Emmaüs. À Clichy. J'ai pas compris. Alors, le magasin est très très beau, mais vraiment, c'est hors de prix. Je n'ai jamais vu un magasin aussi cher. J'ai juste fait un tour, j'ai regardé et je suis repartie parce que vraiment, les prix, c'était pas du tout avantageux. Autant acheter du neuf en fait, quand tu vois ça. Vraiment, premier degré. Hein. Donc, écoutez, c'est pas grave. Au moins, j'ai trouvé de belles choses. Je suis tellement contente et j'ai trop hâte de filmer tout ça pour TikTok, j'aime bien, mais je sais pas aujourd'hui parce que j'ai un peu mal à la gorge, il y a pas beaucoup de luminosité, donc j'espère que demain il va faire beau. On va essayer de rattraper un petit peu ce gilet là. Du coup j'ai sorti tous les produits pour nettoyer en espérant que ça fonctionne, donc je pense que le savon au fil du bœuf, je sais pas si ça va vraiment fonctionner. Faut le faire et à l'endroit et à l'envers pour bien enlever. Et on va mettre l'oxyaction. Mais il est vraiment beau, franchement. J'avais vu aussi une superbe chemise Figaret. J'adore les chemises Figaret. On est une rouge, elle est magnifique. Mais il n'y avait plus de bouton, il n'y avait plus rien. Genre, il n'y avait plus rien. C'était invendable. Je sais pas comment ils vont faire, mais invendable. Je laisse du coup un tout petit peu se reposer, entre guillemets. Franchement, plutôt pas mal. Bon, voilà, je vais laisser ça comme ça en attendant. Je pense que je vais laisser ça toute la journée. Voire même, je vais juste rincer et vous montrer demain. Mais et je laverai du coup tous les habits de demain après mon haul. Alors, j'étais en train de bosser sur l'ordi sur un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. Et j'aimerais avoir un petit peu un retour de votre part là-dessus aussi. C'est sur les vlogmas. Moi, faut savoir que j'adore les vlogmas. Je trouve que c'est vraiment une période de l'année... pour filmer, c'est exceptionnel, j'adore, c'est ma période préférée de l'année, Noël, et j'adore partager avec vous ce moment là sur YouTube. J'avais réussi à faire des vlogmas il y a 2 ans je crois, et j'avais beaucoup aimé, et vous aussi. L'année dernière j'ai pas pu en faire parce que c'était trop compliqué, c'est pas possible, donc j'avais fait quelques vidéos de Noël, et cette année j'ai envie de faire des vlogmas, j'ai envie de faire une vidéo par jour, partager cette passion avec vous, sauf que j'aimerais bien savoir si vous ça vous intéresse ou pas. En fait c'est beaucoup de travail. Vraiment beaucoup de travail. On s'en rend pas forcément compte. Je vais cumuler 2 vrais jobs. Donc mon job que j'ai en 40 heures actuellement. Donc c'est quand même assez prenant. Plus filmer après le travail des vidéos vlogmas. Donc j'aimerais savoir si ça vous intéresse ou pas. Parce que j'ai commencé un peu à regarder au niveau du planning comment ça se passerait. Quel jour je pourrais poser pour filmer aussi, parce que, que sinon on va pas faire grand chose. Du coup c'est à prévoir, donc il faut que je sache combien de jours de congé je dois poser pour faire telle chose, etc. Donc j'ai besoin de savoir si vous ça vous intéresse. Du coup ça sera une vidéo par jour au mois de décembre. Il y aura peut-être quelques vidéos triches, entre guillemets, genre des vidéos que j'aurais filmées un peu avant, pour au cas où,
si vraiment c'est le rush, parce que je sais qu'au mois de décembre, quelques jours où c'est un peu compliqué au travail, et dès que cette période-là est compliquée, c'est un peu plus light. Du coup, après, c'est bon, enfin, ça va mieux. C'est un peu plus light, on peut souffler, on peut... voilà. Et en amont, du coup, j'ai un peu commencé à faire l'intro des Vlogmas. J'ai fait une intro en graphisme. Et en la faisant, en fait, ça m'a donné encore plus envie de vous en parler, de vous demander si ça vous intéressait. Si vous tentez d'être tous les jours avec moi sur YouTube. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui le font, il y a beaucoup de personnes voilà, qui le font. Et du coup, on peut pas forcément voir tous les vlogmas. Moi, je regarde tous les vlogmas, par exemple, de toutes les youtubeuses auxquelles je suis abonnée. Donc j'avais en fait besoin de votre avis là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ou si vous avez la flemme d'écrire, mettez un like à la vidéo. Comme ça, je vois si ça vous plaît ou pas. Enfin, voilà, j'ai besoin d'un retour de votre part aussi parce que je fais des vidéos pour moi, mais si pour vous, pour partager quelque chose avec vous. Si je n'ai pas de retour, c'est une relation un peu à sens unique. Et du coup, c'est pas plaisant. Enfin, moi, si je fais des vidéos, c'est pour partager avec les gens. C'est vraiment une vraie passion. Et s'il n'y a pas de retour, c'est sûr que c'est un peu frustrant quand c'est comme si tu parlais à un mur. Donc c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir vos retours, de voir ce que vous en pensez. Bon, après, je ne me mettrai pas de pression. Hein. S'il y a des journées où je rentre du travail à 22h, bah, je ne vais pas pouvoir vraiment vous filmer. Et ce sera une vidéo bonus à la place. Mais ce sera une vidéo bonus toujours en rapport avec Noël. Par exemple, je vais partir en novembre à Londres. Et ben, j'espère qu'il y aura des décorations de Noël, etc. Donc ce sera, par exemple, un vlog à Londres ou, voilà, ou un haul ou ce genre de choses. Pas forcément le vlog du jour. Mais ça sera une autre vidéo, donc n'hésitez pas à me dire voilà un commentaire encore une fois ce que vous en pensez, ce que je vous montre. Allez, je vous montre un petit spoil de mon intro YouTube. Je vous la mettrai, je vous mettrai juste la dernière partie où j'ai fait Prince, Eros, ma personne et mon copain. Je trouve que c'est hilarant. Voilà, c'est un vrai un tout petit spoil. J'ai demandé l'accord à mon copain si ça lui dérangeait ou pas que je filme toujours, parce que franchement c'est chaud, c'est vraiment chaud. Genre tu filmes tout le temps, tu filmes H24 et je voulais pas que ça le gêne. Et ça ne gêne absolument pas. Il m'a dit mais fonce, vas-y. On fera plein d'activités, on fera plein de recettes, etc. Donc en fait ça m'a donné encore plus envie. Et du coup j'ai fait mon intro. Je me suis dit si j'aime pas l'intro je le fais pas. Et en fait j'aime bien mon intro, je la trouve trop mignonne. Donc bah il me manquait plus que bah vous. Donc bah n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis bah ça serait trop bien de faire des vlogmas quoi. J'ai trop hâte de cette période là. Vraiment j'ai trop hâte et j'ai trop hâte de vos retours aussi. Position et ce cadrage avec la télé, je meurs. Je suis en train de regarder un feuilleton sur TF1. Sur l'automne, enfin un feuilleton un peu automnal sur TF1, c'est extrêmement hilarant. C'est comme les feuilletons de Noël, mais version automnale, c'est hilarant. J'allume en ce moment cette petite bougie de chez Sior. Franchement, ça sent tellement bon. C'est un truc de malade, cette qualité de bougie. Sior, c'est une excellente marque, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas entendu parler. Je sais pas si elle existe toujours, mais d'habitude elle fait des collabs avec des influenceurs et tout. D'ailleurs, celle-là, je crois que j'ai eu gratuitement grâce à la marque. Je vois plus du tout sous les réseaux la marque. Ça sent super bon. Là, c'est la fleur du tiré Monoï. Mon dieu, ça sent incroyablement beau. Donc, ce matin, je vais prendre ce petit déjeuner. Donc je vais mélanger les deux muesli. C'est mes muesli préférés. Donc c'est le caramel salé bruni et le choco bruni. C'est vraiment excellent. Donc je vais mélanger les deux parce que j'adore. Vous avez toujours mon code promo. Hein. Je crois que vous l'avez déjà dit dans la vidéo, mais vous avez toujours le code promo. Moi, à chaque fois, je commande ça, les deux. Et j'ai des petits muesli découvertes offerts. Donc c'est plutôt pas mal. C'est quasiment vide. Là aussi, c'est quasiment vide. Donc là, il restera pour une part. Aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire mais pas dans le vlog, je peux pas filmer dans le vlog, mais j'ai beaucoup de choses à faire pour les réseaux. En fait hier je me suis posée, ah oui, y a plus de lait. Je suis posée et j'ai voulu faire du contenu pour Instagram et TikTok. Je pense que je vais poster sur les deux comptes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas TikTok et puis c'est des contenus que j'aime bien mettre sur Instagram. Quand c'est des contenus à la con on se comprend. Genre des petits contenus, etc. J'aime bien mettre ça sur TikTok parce que c'est un peu un espace tellement spontané que bah, j'aime bien mettre ça. Alors que sur Instagram, comme c'est mon petit bébé, j'aime pas vous ennuyer avec plein de vidéos de tout le monde, etc. Je poste rarement. Je poste que quand il y a des événements, quand il y a des trucs, etc. Et là, pour le mois d'octobre, j'ai envie de bah, vous filmer plein de choses. J'ai envie de faire des routines, j'ai envie de faire des recettes. Enfin, vraiment, c'est ma période préférée de l'année. Donc j'avais envie de faire ça sur Instagram aussi. Donc j'ai planifié toutes mes vidéos que je voulais faire, sauf que quand j'ai regardé pour bah, les tourner, les vidéos, parce qu'il faut bien les tourner, bah ça c'est pas compatible avec mon emploi du temps de travail normal quoi.
Et les week-ends, j'essaie de ne pas tourner le dimanche. Donc avoir une petite journée quand même off dans la semaine, se reposer un petit peu et pas tout le temps enchaîner. Je suis en train de regarder comment je peux pour faire les tournages. Sachant que genre, je ne gagne aucun argent en plus, je suis bénévole quoi. Genre je sais pas, c'est pas que j'ai des collabs, c'est pas que j'ai de l'argent en plus. Enfin vraiment c'est juste parce que j'aime bien faire ça. Et je suis assez bloquée parce que bah, j'ai un emploi du temps de ministre. Très clairement, là on peut le dire. Mais du coup sur Instagram et TikTok vous allez avoir plein de contenu. Je vais vraiment essayer de le faire. Je vais essayer vraiment de vous partager un maximum sur ces plateformes là pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Après en décembre si je fais les vlogmas, Instagram et TikTok on va oublier. On va mettre sur le côté. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, c'est ElisaBRTOff. C'est vraiment du contenu spontané et très esthétique aussi, donc n'hésitez pas à regarder. Donc la dernière fois je vous ai fait mes tenues du jour, vous avez adoré. Vraiment les tenues avec les robes, avec les pantalons, vous avez adoré. Donc j'aimerais bien vous faire la même chose pour l'automne. Alors aujourd'hui j'ai un photoshoot, donc il faut que je ressemble à quelque chose. J'ai un photoshoot pour Instagram parce qu'en fait j'avais prévu des photos pour Instagram, pour le September Dump. Enfin la photo ne rentre pas dans la DA, j'aurais fait tâche sur la DA de mon Instagram. Alors je suis pas une meuf qui fait attention à la DA de tout l'Insta, genre vraiment là ça fait tâche. Donc il faut que je trouve un moyen de que ce soit beau. Donc je pensais faire un petit photoshoot vraiment vite fait, assez cosy dans l'appartement. Ensuite le tournage, j'aimerais bien faire le haul fripe et le haul shopping. Donc bah du coup filmer ça pour TikTok et Instagram. Donc il faut que j'ai de la voix quand même, donc je vais essayer de m'économiser aujourd'hui. Les voix off de la fripe, du friperie et shopping. Donc j'ai commencé un petit peu à écrire ce qu'il y avait, enfin ce qu'il fallait dire. Donc c'est beau mais il faut juste que je fasse la voix off, ça va prendre pas très longtemps ça je pense, j'espère. Parce que les voix off ça prend de base extrêmement longtemps, ça dure plus longtemps qu'un tournage je trouve. Ah putain aussi j'ai mon pot. En fait j'avais fait un pot à fourniture. Et j'ai toujours pas fait la voix off. Genre j'ai un peu cuté, monté la vidéo vite fait, et j'ai pas fait la voix off. Donc ça, faudra vraiment que je le fasse. Et j'aimerais bien monter tout ça aujourd'hui, comme ça, ça va être prêt pour samedi et dimanche. Voilà, pas mal de choses à faire aujourd'hui. C'est des choses qui prennent du temps et qui ont besoin d'énergie et que je ressemble à quelque chose. Donc j'ai vraiment petit déjeuner, je vais faire les photoshoots. La lumière est vraiment pas terrible aujourd'hui, hein, donc j'espère que ça ira. Et puis bah écoutez, let's go. Je pense avoir fait ma petite photo, ça a duré 5 minutes, au moins c'est rapide. Donc ce que je fais c'est que j'ai un petit truc qui se branche à l'appareil photo et après j'ai une petite téléphone pour prendre les photos. Je prends pas l'iPhone parce que si c'est un peu chiant j'ai pas de trépied. Ça j'ai mon trépied donc c'est très bien. Donc au moins ça c'est fait, ma photo je pense qu'elle est faite, j'espère. Donc là je vais aller filmer mes petits réels. Bon je viens de tout filmer, au moins ça c'est fait, j'espère que les prises sont bonnes. Donc dès qu'on filme en fait on fout un bazar pas possible, genre derrière vous c'est vraiment le bordel. Donc je vais ranger tout ça et ensuite je vais m'atteler au montage et aux retouches de tout ce qu'il faut faire. Il est 16h30, j'ai passé toute l'après-midi devant l'ordinateur à faire mes voix off, mes montages, etc. Mais je suis très contente parce que j'ai posté enfin ma vidéo sur mon pot à crayon. Putain, il serait temps que je l'ai posté, c'est sur mon Instagram et mon TikTok. J'ai reprogrammé un petit peu mes idées de vidéos pour Instagram parce que je devais faire ce week-end mais du coup ça va... Ça s'est chamboulé, etc. Enfin bon, voilà. Donc au moins c'est good, ma photo est bonne. J'ai fait ma miniature, j'ai fait mon montage de mes réels. Donc tout est opérationnel, tout est prêt, genre tout est bon. Donc je suis très contente. Et du coup, bah, je pense que je vais continuer un petit peu le montage des grosses vidéos, des weekly vlogs. Je devais recevoir un colis aujourd'hui. Donc peut-être que ça va arriver maintenant, je sais pas. Mais de base, je vais le recevoir aujourd'hui. Donc j'espère que ça va arriver parce que demain... Je suis pas là l'après-midi. Ce soir, on va faire une recette pour mon copain. Voilà, on va essayer de faire un truc hyper important. Voilà, je vais essayer du coup de faire un gratin avec chou-fleur, patates, béchamel et lardons. Enfin, et poulet là, le poulet que j'ai acheté hier, qui est périmé du coup. J'ai des chou-fleurs congelés. J'ai pas trouvé de chou-fleurs en magasin, même au marché, j'en avais pas. Mais du coup, on va faire les chou-fleurs congelés, on va les cuire. Les patates, je crois qu'il n'y a pas besoin de cuire quand même. Faudra faire la béchamel maison. Parce que ma béchamel maison est incroyable. Je suis pas en mode grammage et tout, je suis plus en mode goût. Je goûte tout le temps. Et dès que ça ressemble à la béchamel que je connais, bingo, ça y est. Donc on va préparer ça d'ici, je pense, 1h30. Et je sais pas combien de temps ça cuit aussi un gratin. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je me suis changée parce que je me suis tachée, donc j'ai mis un petit pull. On va commencer du coup par cuire les choux-fleurs congelés. Donc j'ai pris ça, je me dis peut-être que ça suffira. Celui-là, il est un peu plus grand.
Celui-là, on voit un peu plus si c'est cuit ou pas. On prend celui-là. Ensuite, on va prendre les petites patates. Donc, je les ai mises là-dedans. On va les éplucher et on va aussi les cuire un tout petit peu. Les pré-cuire au micro-ondes. J'ai un truc qui est super bien. Et du coup, tu mets tes patates à l'intérieur. Après, tu mets ça du coup au micro-ondes 10 minutes et ça te cuit vraiment tes patates. Donc, moi, je vais les mettre genre 5 minutes pour que ce soit un petit peu pré-cuit. Parce qu'à tout moment, ça passe, c'est pas cuit. Le repas est gâché. Je suis nulle. Voilà. Les patates sont en train de cuire, le chou-fleur aussi est en train de cuire et du coup je suis en train de faire la béchamel. Donc pour la béchamel, je pense que chacun a sa propre recette, mais moi je me souviens que c'était genre 50 g de beurre, 50 g de farine, 50 cl de lait. Bon là j'ai mis 90 g de beurre et après je fais vraiment au goût. Donc il faut d'abord faire fondre le beurre, ensuite rajouter de la farine, mélanger avec une cuillère en bois et rajouter le lait. Et après tu assaisonnes sel, poivre, etc. Non mais regardez comment je suis douée. Vraiment, c'est la béchamel parfaite. Le goût est incroyable. Franchement, j'adore. Bon du coup, je viens de mettre les morceaux de poulet et les morceaux de chou-fleur que j'ai découpés. Et puis il me reste quelques rondelles de... Désolée, il y a les animaux qui sont en train de péter leur crâne. Comme j'ai fait juste en dessous et après on mettra du coup la fameuse béchamel. J'espère qu'il y en aura assez parce que finalement, le plat est quand même assez grand. Au pire, j'en ferai, c'est pas grave. On a fait une du coup mais beaucoup plus liquide pour que ça puisse pénétrer en dessous. Et j'ai un tout petit fond d'émental. Genre vraiment c'est le mini sachet, juste en mettre un tout petit peu par dessus. Franchement ça a l'air plutôt pas mal hein. Mais j'aurais dû mettre des couches de béchamel entre chaque partie. Genre entre le poulet et tout le bordel, tout pas mal. Donc je vais mettre ça au frigo en attendant. Mon copain arrive dans 10 minutes, je suis tellement contente. Mon petit chacha, il est là. Et je crois qu'il reste du coup une minute. Et regardez-moi ce super gratin. Franchement, ça a l'air super bon et ça a bien cuit en plus, donc je pense que ça va être plutôt pas mal, il va être content. En plus hyper drôle parce que mon copain il me fait tu veux que je ramène McDo ce soir, comme ça on se fait un petit McDo skincare. Et je suis en mode non, j'ai pas envie d'un McDo ce soir. Il m'a dit mais quoi, comment ça t'as pas envie d'un McDo? Lui partout en France depuis 24 heures. J'ai bien attaqué Ouais. Alors, je vois ça. Ferme la peau de... Non, c'est vraiment trop sucré. Ah non, mais la bourde. Bon, nous sommes le lendemain. Cette nuit, ce fut assez chaotique. Parce qu'il y a Eros hier soir qui va aux toilettes et qu'il avait un peu de sang au niveau de son anus. Donc, on a un peu paniqué. On s'est dit, oulala, un peu bizarre. Donc, j'ai appuyé tout ce matin et elle m'a dit, c'est pas alarmant, attendez encore un peu au cas où. Parce que ce matin, il n'y avait pas de sang non plus. Donc, voilà. Donc, on attend un petit peu, on va surveiller. Et ensuite, bah, Prince, cette nuit, il a vomi dans le lit. À 6h du matin, il avait chié aussi sur le tapis de bain. Alors, ça étire, il était totalement propre, ça m'énerve. Du coup, bah, lessive, hein, forcément. On a changé le lit, on a changé les draps hier soir, enfin, ce matin. Et après, bah, du coup, je me suis rendormie parce que j'avais pas beaucoup dormi et je me suis réveillée à 11h. Donc, mon copain, il devait partir à 12h30. Donc, là, je suis en train de faire des pancakes, mais il a déjà mangé quoi. Parce que surprise n'est pas bien réussi. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait quand même des petits pancakes pour ce matin. Comme ça j'en aurai pour moi et il y en aura pour lui aussi demain, enfin ce week-end. J'ai mis une blinde de sucre sans faire exprès, je suis tellement dégoûtée. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc je vais faire mes petits pancakes. Puis on se retrouve juste après.
Moi, je sais pas si vous verrez mes pancakes juste là. Bon, ils ont vraiment une sale gueule, mais ils sont bons. Je ne comprends pas pourquoi ils ont une sale gueule comme ça. Vraiment, une sale gueule. Bon, moi, j'en ai plein. Je vais faire la vaisselle, putain, ça a foutu un bonheur pas possible. J'ai vidé le lave-vaisselle, maintenant faut que j'aille mettre le linge à sécher. Et puis, écoutez, mon copain, il vient de partir pour l'entretien. Donc je vais essayer de me faire aussi une tête aujourd'hui parce que là je ressemble strictement à rien. Et juste après l'entretien, on le rejoint avec ses potes pour boire un verre vers 17h. Je voulais vous montrer les draps. Et en fait les deux ils arrêtent pas de se chamailler. Du coup j'ai mis le drap Anne de Solène. Juste là, bon il est bleu, ça va pas trop avec mais c'est celui que j'avais sous la main à 6h du mat. J'ai mis celui-ci du coup de chez H&M, il est trop trop beau avec les têtes d'oreiller. Et j'ai mis ça comme rectangulaire, là, comme terre rectangulaire. Donc c'est plutôt joli, après je mets ça du coup par-dessus parce que monsieur à chaque fois qu'il vomit c'est ici, c'est jamais ailleurs, c'est vraiment sur le lit qu'il vomit, pour nous montrer qu'il vomit bien. Mais où est-ce que t'as appris ça, Prince? Ouais, donc à chaque fois on est obligé de protéger le lit, tous les jours. Petite boule, et ils ont niqué l'arbre à chat. J'avais recollé ici, mais du coup, il faudra que je re-recolle là. Parce qu'ils l'ont niqué, mais comme jamais. Bon, du coup, je me suis préparée. C'est ouf à quel point mes cheveux, au bout d'un jour, ils tiennent plus. Genre, ils ressemblent plus à rien. Sachant qu'hier, j'avais rien fait, c'était naturel, ils étaient vraiment trop trop beaux. Et là, catastrophe. Il est 16h, je pensais aller faire 2-3 petits magasins, mais finalement, je pense pas que j'aurai le temps. J'étais tranquille, donc j'en ai profité pour faire mes previews pour des collaborations. Donc ça, c'est ce que vous avez vu la semaine dernière, donc c'est la marque Oli. Il y a des goûts qui sont vraiment très très bons. La White Peach, c'est ma préférée. Donc pour 2 minutes d'insertion YouTube et 1 minute 30 d'insertion de story, ça m'a pris 2 heures. C'est quand même assez prenant parce que bah, il faut faire tous les plans. Vous avez été quand même nombreux à me demander un retour là-dessus, donc comme ça fait ouais, un peu plus d'un mois que je teste, bah du coup j'ai pu vous faire un vrai retour. Je suis pas quelqu'un qui dès qu'elle reçoit la marque fait la collaboration. Je suis une personne qui teste avant, donc si j'aime pas je fais pas de collab, j'ai pas envie de vous décevoir vous, enfin voilà. Donc c'est pour ça que les collabs j'en fais très peu, ou alors je fais tout le temps avec les mêmes marques parce que bah, je les connais, je teste les produits, donc je suis adepte des produits. Et il y en a beaucoup, quand je les reçois je vois l'état du bordel, je vois l'état du SAV et je me dis mais c'est hors de question. Donc, je vais pas tarder à rejoindre mes petits amis pour aller boire un verre, parce qu'on doit aller on doit parler de vacances, parce que j'aimerais bien partir au ski et mon copain veut partir avec ses deux potes. Du coup il faut qu'on voit avec eux leur budget, les disponibilités, etc, etc. Donc de gros sujets en perspective. Donc voilà pour cette vidéo, ce weekly vlog de 54 minutes, c'est affolant. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai dans ces mes descriptions juste en bas. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.